Ok. Bon, et ben pour commencer cette journée, on va avoir deux exposés sur des questions d'argent. Et ensuite, on aura un débat tous ensemble. Donc, on commence avec Jean-François Lutz, qui va nous parler de documentation en bibliothèque universitaire. Merci. D'abord, un grand merci aux organisateurs de cette conférence. Merci de m'avoir invité. Merci à Karim, notamment, puisque c'est lui qui m'a sollicité, même si malheureusement, il ne peut pas être présent. Du coup, c'est pour moi aussi l'occasion de découvrir un très bel environnement de travail, de réflexion, et puis aussi un réseau de bibliothèques avec lequel j'interagis, puisque je crois qu'elle n'est pas là, Valérie Dobenfeld de l'IECL. Donc on travaille, nous, assez étroitement avec la bibliothèque de maths dans notre université. Alors, je vous propose une présentation sur l'angle financier sur la dépense documentaire, avec le point de vue, effectivement, d'une bibliothèque universitaire. Et une organisation un peu chronologique, avec un retour sur ce que j'appelle moi la période d'euphorie de la dépense documentaire et la période aujourd'hui un petit peu plus... plus on se pose des grosses questions sur comment dépenser notre argent en bibliothèque universitaire. En introduction, qui suis-je ? Donc je suis un bibliothécaire, donc je fais partie, pour ceux d'entre vous qui sont professionnels de l'IST, voilà, on fait partie de la même famille. Mais je travaille donc dans une grande université pluridisciplinaire qui a toutes les disciplines, sciences religieuses comprises, puisque en Moselle, le Concordat est toujours actif, donc on a une faculté de théologie à l'Université de Lorraine. Donc la palette des disciplines est très très large. Une université qui a fusionné en 2012, le même jour que l'Université d'Aix-Marseille. Et ça fait 14 ans que je travaille sur les questions de documentation numérique, d'achat documentaire de Doc-Elec, et également sur les questions d'open access. Donc j'ai été pendant 6 ans membre du bureau professionnel de Couperin, où j'ai animé la première version du groupe de travail sur les archives ouvertes. J'ai été membre du bureau de Spark Europe, qui est une structure de lobbying au niveau européen en faveur de l'open access. Et puis là, je suis toujours, par exemple, avec Odile, je suis membre de la BSN, le segment 7 de BSN, où Frédéric Hélin est également membre, qui s'intéresse à la publication scientifique. Et donc, comme je l'ai dit, le propos va essentiellement parler de la publication sous l'angle de la dépense documentaire, donc c'est un angle très particulier, qui va forcément limiter le propos, puisqu'il y a beaucoup de sujets très intéressants dont on pourrait parler, que ce soit en termes d'évaluation, d'éthique, d'aspects juridiques, de licence, etc., qui ne seront pas abordés du tout. Alors, la période d'euphorie, dont je fixe les limites de manière un peu arbitraire à une quinzaine d'années, de 1997 à 2012. Mais avant de regarder ce qui s'est passé pendant cette période-là, dans les dépenses des bibliothèques universitaires, un petit rappel de la situation antérieure, des choses très familières. Hein. Pourquoi dépensait-on l'argent essentiellement pour des abonnements, pour des revues papier, des achats de monographie, bien entendu, mais là, je vais quand même beaucoup parler plutôt des abonnements aux revues scientifiques. On avait le montant d'un abonnement, on payait ce montant d'abonnement, il y avait peut-être un rabais parce qu'on passait par une agence, etc., on avait un marché, mais voilà, c'était des choses relativement bien balisées. Et du côté des usagers, l'accès à la documentation était un peu complexe. Alors un peu complexe parce qu'essentiellement, on était sur du format papier, que lorsque la bibliothèque n'avait pas la documentation, on faisait appel au prêt entre bibliothèques. Voilà, il y avait aujourd'hui, avec le recul, on estime que c'est complexe. À l'époque, je pense que les chercheurs n'avaient pas forcément ce regard-là, mais aujourd'hui, on estime que cette période-là était quand même beaucoup moins fluide qu'aujourd'hui. Et puisque le thème de ces journées, c'est l'open access, alors on va quand même faire un lien avec l'open access. L'open access, avant 1997, était un mouvement qui était déjà bien vigoureux, mais qui était cantonné à certaines communautés disciplinaires pionnières, très actives, la physique, les maths, l'économie. Il n'y avait pas forcément un soutien institutionnel, ce sont les communautés qui se sont auto-organisées, et les bibliothèques étaient... Alors, il y avait des bibliothécaires qui étaient... partie prenante dès le départ, mais globalement, la communauté de l'IST, dont je fais partie, dont plusieurs d'entre vous font partie, ça existait pour nous, ce n'était pas encore sur les radars, l'open access, à cette époque-là. Alors, que s'est-il passé à partir de 1997 c'est qu'on est passé d'un abonnement à des revues isolées à un abonnement à des bouquets de revues numériques. Donc, on change de support, d'une part, et puis on passe aussi à une logique de package, de bouquet.
ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle aussi maintenant les big deals, c'est-à-dire qu'on va signer un contrat pour l'ensemble du portefeuille d'un éditeur. Et c'est quelque chose qui s'est fait de manière progressive et qui est devenu très nettement majoritaire aujourd'hui dans les abonnements des bibliothèques universitaires. Le modèle économique, voilà, je ne vais pas revenir sur tout, mais c'est juste pour vous dire qu'on passe de j'ai le montant de l'abonnement, je paye le montant de l'abonnement, à des notions de surcoût électronique, de titre gagé, titre papier gagé, de price cap, c'est-à-dire d'augmentation maximale. On groupe les commandes, il y a des flat fees quand on n'a pas d'abonnement papier, on a des bandes tarifaires en fonction des FTE, on parle de licence nationale pour certains titres, on parle d'accès simultané. Donc voilà, le paysage ou la compréhension de l'offre commercial des éditeurs s'est beaucoup complexifié. On est passé à, on a besoin de personnes qui maîtrisent tous ces éléments. Et dans ce cadre-là, un élément important en France a été, alors la photo est un petit peu floue, hein, c'est une photo historique, du 30 juin 1999, c'est la première signature du contrat, d'un contrat par Couperin. Donc là, vous avez les fondateurs de Couperin à Strasbourg, avec Jean-Yves Mérindol qui était président de Couperin à l'époque. Et donc c'était un contrat avec Elsevier, le premier, en 1999. Et c'est vrai que Couperin a joué à ce moment-là un rôle assez important et continue à jouer un rôle important pour être en appui des professionnels de l'IST, des bibliothécaires, pour comprendre les offres, pour échanger, pour que collectivement on puisse analyser et être plus fort en étant unis dans ces négociations qui... comme on l'a vu, sont devenus beaucoup plus compliqués que ce que l'on connaissait auparavant. Et pour le lecteur, là, ça a été aussi une grande révolution. Des chercheurs qui ont connu avant et après, je pense, seraient sans doute assez d'accord, hein, un accès beaucoup plus simple, un accès de partout, puisque l'accès numérique est, également se fait à distance. Donc au début, l'accès se faisait que dans les campus, hein, ceux d'entre vous qui ont connu ça. Et puis, début des années 2000, très rapidement, on est passé sur des accès distants. Donc aujourd'hui, que ce soit au CNRS ou dans les universités, tout le monde propose un accès distant à la doc électronique. Et une instantanéité, bien entendu, puisqu'on a accès aux documents immédiatement. L'open access, pendant cette période-là, s'est très fortement développé. Et là, les communautés de documentation d'IST se sont impliquées dans le développement de l'open access. Mais financièrement, quand on regarde la dépense, on était toujours sur des flux cloisonnés. Le Gold, donc les revues en open access, avaient soit un financement par APC, c'est le modèle par exemple de PLOS qui a été lancé en 2003, ou un financement par de la subvention publique. Revue.org a été lancé par le CNRS, le HESS, Avignon et Aix-Marseille, avec des financements qui n'étaient pas pris sur les budgets des bibliothèques. De la même manière, Cielo au Brésil, Redalic au Mexique, ce sont des financements de l'État directement. Pour le Green, HAL par exemple, hein, c'était un financement aussi du CNRS majoritairement et de l'INRIA. Donc, grand développement de l'open access, on va pas refaire l'histoire, hein, vous la connaissez. Et cette période d'euphorie a duré 15 ans. Et pour l'instant, mon propos a été assez descriptif. Et en réfléchissant à comment analyser cette période-là, et pourquoi aujourd'hui, j'estime qu'on n'est plus dans cette période d'euphorie, j'ai repensé à une intervention d'un collègue allemand lors des dernières journées open access Couperin. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il s'appelle Christophe Bruch. Il est responsable de l'IST pour tous les centres Helmholtz en Allemagne. Et il a fait une présentation qui a eu un certain impact. Et il y avait notamment une illustration, celle-ci. Alors je la censure, je l'auto-censure parce qu'elle a valu quelques déboires à Couperin, qui a dû la retirer. Donc je ne veux pas causer de tort ou d'embarras au RNBM. Mais en tout cas, sur cette image, on voyait une jeune femme de tip-top modèle, avec une paille dans le nez, et devant elle de la poudre blanche, sauf que la poudre blanche avait des lettres qui formaient le nom d'un éditeur scientifique très connu. Voilà. Et ça m'avait quand même interpellé, tout le monde était plié de rire dans l'anti, et ça m'avait interpellé parce que, effectivement, alors le propos de Christophe Bruch, c'était de dire, ben voilà, les chercheurs sont devenus accros aux produits documentaires des éditeurs, ce en quoi il a tout à fait raison. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une analogie à creuser avec le marché des stupéfiants
Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à peut-être un petit peu développer cette idée-là. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Hein, « There's no business like blow business ». Et je pense qu'on peut peut-être dire « There's no business like publishing business ». Blow, c'est cocaïne en anglais. Et si on essaye de voir ce qui s'est passé, on a eu dans un premier temps un produit qui a été très largement distribué à des prix tout à fait compétitifs. Le discours, c'était « Écoutez, vous avez 30 abonnements papier pour 60 000 euros, vous payez 6 000 euros de plus, 10% de plus, et vous avez accès à 1000 abonnements. Qui allait dire non à ça ? Qui allait dire non à ça ? Donc tout le monde a dit oui, et je pense qu'aujourd'hui encore, on dirait oui. Donc dans tous les pays du monde, c'était ce discours-là. Tous les bibliothécaires dans toutes les BU ont signé ces accords-là. Et donc, on a explosé le nombre d'articles, de revues disponibles. Et les chercheurs ont eu d'un coup, avec en plus le passage au numérique, un accès à toute la littérature scientifique quasiment. Forcément, ça plaît, ça répond à un besoin. Donc le client, il est très content. L'utilisateur, on va dire, est très content. Et une fois qu'il est très content et qu'il a cette accoutumance qui est créée, là, par contre, les prix commencent à devenir un peu plus élevés et on va commencer à augmenter les tarifs. Comme le besoin est tellement important, il a besoin de ce produit, les chercheurs ont besoin de la documentation numérique, quel que soit le prix, on va continuer à payer. Même si c'est des augmentations de plusieurs pourcents chaque année, on va continuer à payer. Il y a des velléités d'arrêter ou d'arrêter l'emballement de la machine. Je pense que dans la communauté mathématique, la pétition Cost of Knowledge vous est très familière. Mais comme on est dans des logiques pluridisciplinaires, vous le savez au CNRS avec les différents instituts, ce que dit l'INSMI, l'INSB ne le pense pas forcément. Et on l'a vu très clairement sur la licence nationale Elsevier. Certains disaient « maintenant il faut arrêter, il faut arrêter ». Et d'autres ont dit « ah ben non, mais c'est pas possible, on peut pas se passer du produit ». Du produit, sous-entendu, l'accès aux revues scientifiques. Et donc, c'est aujourd'hui encore, en tout cas dans cette période-là, c'était vraiment cette pensée-là qui était majoritaire. Exemple des augmentations, hein, puisque du coup, les prix, je vous ai dit que les prix augmentaient. Voilà des exemples d'augmentation pour mon université, sur un certain nombre d'éditeurs. Donc vous voyez qu'il y a aussi quand même des sociétés savantes. Hein, on aime bien faire un peu le Elsevier bashing, c'est quelque chose qui est populaire et j'en suis un adepte également. Mais il faut quand même savoir que certaines sociétés savantes pratiquent aussi des augmentations tarifaires particulièrement importantes. Elsevier, le pourcentage est moins élevé parce qu'on a été dans mon université un peu des bénéficiaires du rééquilibrage qu'il y a eu dans la répartition entre les établissements. Si c'était l'UPMC qui était venu, ma collègue de Paris 6, voilà, vous auriez eu un chiffre beaucoup, beaucoup plus élevé. Non, alors c'est effectivement ça. Il faudrait ensuite analyser plus finement quel est le portefeuille qui est couvert. Donc, et c'est un des arguments des éditeurs, hein, c'est de dire bah oui, mais attendez, nous on rajoute des nouveaux titres, etc. Bon. Soit, mais nos finances, elles, l'impact financier c'est celui-ci. Et effectivement, il faudrait sans doute minorer un peu ce pourcentage en fonction du nombre de titres qui ont été augmentés. Maintenant, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de titres qui ne sont jamais consultés. Beaucoup, beaucoup de titres qui ne sont jamais consultés. Et les titres qui sont réellement consultés, on est plutôt sur une logique 20% des titres très consultés et 80% qui sont quasiment jamais consultés. Donc la conséquence, c'est qu'on est dans l'édition scientifique, dans un secteur hyper lucratif, vous le savez. Vous vous demandez peut-être qui sont ces trois personnes dont les noms ont été... dont moi j'ai pris connaissance des noms seulement la semaine dernière, ce sont les trois personnes dans le monde de l'édition mondiale qui ont reçu les plus gros salaires l'année dernière. Et le premier, c'est le PDG d'Elsevier, donc Relex, dont le salaire a été de 14 millions de dollars. Vous avez bien entendu, 14 millions de dollars, à peu près la moitié de ce que la France paye pour la licence nationale Elsevier. Et ensuite, on a Thomson Reuters, Wolters Kluwer, alors qui ne font pas que de l'édition scientifique, hein, mais qui sont quand même globalement des acteurs de l'IST. Thomson Reuters avait auparavant Web of Science, même si ça a été revendu depuis. Mais voilà, on est quand même sur des montants très élevés. On retrouve Wiley également dans la liste.
Donc un secteur très lucratif. Si vous vous intéressez à cette question-là de l'intérêt et du point de vue économique de l'édition scientifique, je vous conseille un visionnage et une lecture. Le visionnage, c'est celle toujours aux journées Open Access Couperin, lorsqu'il y avait eu cette fameuse photo qui avait fait polémique. C'est un banquier, en fait, un conseiller en investissement qui s'appelle Sami Kassab, qui travaille chez Exane Paribas, donc une société qui conseille pour les investissements boursiers, et qui a fait toute une présentation de l'évolution du monde de l'édition scientifique en lien avec l'open access au cours des 10 dernières années. C'est vraiment très très édifiant. Hein. Il explique, lui il est absolument neutre dans nos débats, mais en tout cas il démontre que l'open access a été d'une certaine manière tout à fait absorbé par les grands éditeurs scientifiques. La lecture, c'est celle d'un article du Guardian qui est paru au mois de juin et qui refait un peu l'historique de la manière dont l'édition scientifique dans les années 80 a connu cette mutation qui est devenue aujourd'hui un secteur hyper rentable. Et on retrouve en fait Robert Murdoch dans l'affaire, hein, puisque c'est lui qui a été un peu le mania de la presse, qui a été aussi un acteur de ce processus. Donc un article dont je vous recommande, Robert Maxwell par exemple, pas Robert Murdoch, c'est un autre. Alors, voilà, cette période d'euphorie, du coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, si je continue l'analogie avec les stupéfiants, je vais regarder les effets de la cocaïne. Et puis, il y a un effet double. Il y a une phase d'euphorie, ou high, et puis il y a une phase... Oui. J'ai juste une question. Ouais. Ces augmentations, est-ce qu'elles sont motivées par les éditeurs ou ce sont des explications? Ah, c'est toujours motivé, hein. C'est motivé par... alors, est-ce qu'il y a une motivation à l'augmentation? C'est motivé par... alors, on l'a dit, soit on augmente les titres, soit on met des services supplémentaires en place, mais souvent ça se limite à ça. Parfois, il n'y a aucune explication en disant oui, mais c'est 2% ou 3% ou 4%. Voilà, c'est presque naturel. Il n'y a jamais eu aucune baisse, sauf lorsqu'il s'est agi, dans le cas d'Elsevier, comme je l'ai dit, de répartir une enveloppe nationale entre les établissements. Mais c'est cette répartition entre les établissements qui fait que ben, nous, on a baissé en Lorraine. D'autres ont beaucoup augmenté, comme Paris 6. Bon, mais quand c'est les éditeurs qui viennent nous voir, c'est exceptionnel qu'il y ait des baisses. Hein, et les hausses sont justifiées, mais bon, les arguments ne sont pas toujours forcément très, très percutants. Donc il y a eu cette phase de 15 années d'euphorie et voilà, j'ai le sentiment un peu qu'on est maintenant dans la phase où on se sent triste et où on voit tout en noir. Une phase de dysphorie, pour reprendre le terme qui est là. En tout cas, une phase dans laquelle on se pose des questions assez, assez fondamentales. On a vraiment le sentiment d'une fuite en avant, en fait, que ce système-là, avec les pourcentages qui apparaissent, ne va pas. Enfin, on ne va pas pouvoir continuer ad vitam à ce rythme-là. Une photo qui, pour moi, illustre bien, c'est-à-dire voilà, on voit qu'il y a un danger qui arrive, mais on tourne la pelouse, ou en tout cas, c'est pas qu'on fait mine de l'ignorer, mais on se dit que voilà, il y a une certaine insouciance, au moins pendant ces 15 ans. Le contexte a également évolué. Il y a une autonomie maintenant des universités, même si elle est relative. On a vu que dans certains cas, la dépense elle est quand même centralisée au niveau du ministère, comme dans le cas de la licence nationale Elsevier. Il y a une tension croissante sur les budgets. On est plutôt sur des... Même si le rythme a été différent selon les établissements, certains ont eu des baisses budgétaires déjà il y a 3-4 ans, d'autres, ça vient maintenant seulement, mais on est plutôt sur une tendance à la baisse. Hein. Vous savez, je ne vais pas refaire les débats, mais... L'autonomie s'est traduite aussi par un transfert de la charge de la masse salariale, avec ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, le GVT, qui n'est pas intégralement compensé. Et donc, du coup, ben, soit on gèle des postes, soit on diminue les budgets. Donc, il y a vraiment une tension importante aujourd'hui dans toutes les universités françaises. Il y a également des nouveaux accès qui existent à la documentation électronique en dehors des institutions. Je pense aux réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le propos. Hein. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec ResearchGate depuis 2 semaines. Sci-Hub, qui a beaucoup de succès auprès des chercheurs. J'ai juste mis 2 extraits de tweets d'un chercheur qui a une certaine audience sur Internet, Sylvain Deville, qui est chercheur un chimiste CNRS en poste à Cavaillon. Donc voilà comment lui décrit aujourd'hui la publication académique. Donc, c'est un même Internet qui... Ah, donc on voit effectivement que les chercheurs, en fait, sont Sci-Hub, ça leur plaît beaucoup. Et du coup, les éditeurs, eux, sont très, très mécontents.
Et Sylvain Deville avait aussi retweeté un article de Science qui est paru au courant de l'été et qui montrait qu'en fait, pour un chercheur, il y avait plusieurs tests qui avaient été menés et 99% des articles recherchés étaient dans Sci-Hub. Donc il y a une offre dans Sci-Hub qui est particulièrement large et qui répond visiblement aux besoins des chercheurs. Et bon, le propos n'est pas sur Sci-Hub aujourd'hui. J'essaie d'avancer un petit peu. Le grand changement depuis 2012, c'est que on commence dans les bibliothèques universitaires à vouloir, les questions d'open access et de dépenses documentaires se rencontrent. Et c'est devenu particulièrement flagrant depuis 2015. Alors il y a deux manières principales. La première, ce sont des initiatives d'open access dont le modèle économique va impliquer les bibliothèques. On va voir cela. Et le deuxième, c'est la mise en place de dispositifs qui visent à coupler les dépenses d'abonnement avec le paiement d'APC. Et donc, sur les APC, là, même si aujourd'hui je file un peu une métaphore sur les stupéfiants, il y a une autre métaphore sur l'édition scientifique qui est parfois utilisée, qui parle de l'agriculture, mais je n'ai pas résisté à la tentation de vous mettre... on est plus dans les stupéfiants, on est plutôt dans ce qui est... Mais les APC, c'est un peu ça quand même. On va tondre le mouton, alors il y a quand même le travail de faire le pull, mais ensuite, on remet le pull, et puis c'est le mouton qui rachète son pull. Voilà. Donc, les modèles qui impliquent les bibliothèques universitaires, pourquoi sont-ils arrivés ? D'une part, il y avait un besoin pour certaines plateformes, certaines initiatives de diversifier leurs sources de financement. Et, alors c'est notamment le cas pour Open Edition, ils se sont rendus compte qu'en fait, les bibliothèques universitaires valorisaient plus les ressources qu'elles achètent que les ressources en accès libre. Donc ils se disent, non mais faut, dans ce cas, il faut qu'on, faut qu'on vende aux bibliothèques pour que les bibliothèques valorisent leurs produits. Donc, ça, je pense, c'était il y a 5-6 ans. Je pense que les choses ont évolué depuis. Et donc, on a aujourd'hui plusieurs modèles qui coexistent. Le modèle de souscription, donc on va demander aux bibliothèques de financer en amont la diffusion en open access de monographies. Donc ça, c'est le projet Knowledge Unlatched, et dont une déclinaison française va arriver en début d'année prochaine. Le modèle freemium, dans lequel le texte est en open access, le texte de la revue est en open access, mais les formats PDF, EPUB et un certain nombre de services supplémentaires sont sous forme d'abonnement. Et donc là, en fait, on ne paye plus du contenu, mais on paye du service. Et des modèles d'abonnement, de soutien, c'est notamment le cas de Open Library of Humanities, qui est une initiative britannique. Donc ces trois exemples-là sont quand même avec une coloration très SHS. Mais voilà, on voit des bibliothèques qui s'impliquent désormais directement dans le financement d'initiatives en open access. L'autre modèle, c'est celui du couplage avec les APC. Alors moi, j'en pense pas forcément beaucoup de bien, et je sais que je prêche à des convertis dans la communauté mathématique, pour en avoir beaucoup parlé avec Karine notamment. Mais l'origine de cette réflexion, de cette volonté de coupler, elle est double. Elle est à la fois le constat que l'open access, on en parle depuis 25 ans et aujourd'hui on est encore loin du compte. Et donc l'idée, c'est de dire, maintenant on couple nos abonnements. Au lieu de payer des abonnements, on paye des APC et d'un coup, toute la littérature sera en open access. Donc c'est faire de l'open access rapidement, en tout cas du point de vue des promoteurs de ce dispositif. Et l'autre argument, c'est de dire aujourd'hui, les APC, on ne sait pas combien ils coûtent, on ne sait pas combien ça coûte à nos établissements. C'est des dépenses qui échappent en fait au radar, parce qu'il n'y a pas de centralisation, les codes dans les logiciels comptables ne sont pas toujours bien respectés. Et donc, ça évite d'avoir une dépense qui risque d'exploser et de faire déraper les budgets. Il y a trois modèles aujourd'hui dans le couplage des APC. Je le fais très rapide parce que je pense que vous en avez peut-être déjà parlé. Il y a le modèle britannique qui a été mis en place en 2012, c'est on veut de l'open access chez les éditeurs, on va mettre de l'argent sur la table, on va payer plus. Donc autant dire que personne n'a suivi. Et aujourd'hui, ils en sont revenus de cette approche-là. Le modèle des Pays-Bas, où on dit on paye la même chose, on négocie comme on faisait avant, sauf que tout ce que vous produisez, tous les articles des chercheurs néerlandais qui sont produits chez vous, ils sont en open access. Voilà, ça, c'est le modèle des Pays-Bas. Et
what I heard last November is that I had someone from SURF and Robert van Robert. Not from the association of Robert van Voren. Yeah, Robert van Voren. Yeah, he's the negotiator. Yeah, and he yeah. thinks it succeeded. Okay, so what I heard is that it was some kind of success because some publishers agreed, and there was some kind of flipping from subscription to APC. So you didn't see my presentation yesterday. I wasn't here. I just came in the afternoon. I'm going to send you my charts. Okay. Because I'm interested. Really completely failed. Okay, I'm interested in that. But the main idea was we pay the same, then we switch to open access. This was global. I'm not saying it's, well, United Kingdom, it was really a failure, but what I heard was that Netherlands, it was, okay, but I will read, no problem. Et je repasse en français, l'Allemagne, c'est aujourd'hui le modèle de dire, on va payer moins pour avoir de l'open access chez les éditeurs. Donc c'est le projet Open Access 2020. Je ne rentre pas dans les détails, je pense que vous en avez déjà parlé, vous en parlerez, qui a quand même un certain écho, y compris en Amérique du Nord, alors que les collègues américains étaient assez dubitatifs au départ. C'est un projet qui quand même soulève pas mal de questions et d'objections. Moi, j'en retiens deux qui me paraissent vraiment essentielles. C'est qu'en fait, le système ne change pas. C'est-à-dire que le cartel, pour reprendre la métaphore sur les stupéfiants, reste le même. En fait, on continue à se fournir au même cartel. Et on n'a jamais réussi à obtenir des baisses significatives quand on était sur un modèle d'abonnement. Pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, en passant à un modèle APC, on arriverait à obtenir des baisses? Je crains que ce soit un peu un miroir aux alouettes. Oh. Ouais. Après, il faut savoir qu'une métaphore, une analogie a toujours ses limites. Et typiquement, dans cette métaphore-là, on sait que la drogue est une substance qui est nocive pour l'organisme. La publication scientifique en soi n'est pas nocive. Donc voilà, faut bien se dire qu'il y a des limites. Je n'irai pas jusque-là. Maintenant, il faut quand même savoir, on en parlait hier avec Marie, que le lobbying auprès des que ce soit au niveau de l'État français, mais surtout au niveau européen, est extrêmement puissant. De là, parler d'État corrompu, Ouais. Mais le lobbying est très fort, tout à fait. Le lobbying est très très fort. Ouais. Alors la conclusion, c'est qu'aujourd'hui le modèle économique est effectivement en bout de course, je pense qu'on est globalement tous d'accord, pourtant il se maintient. Alors pourquoi est-ce qu'il se maintient? Je pense que c'est en partie de la responsabilité des chercheurs qui continuent à l'alimenter pour la majorité sans trop se poser de questions, des institutions aussi qui continuent dans leur processus d'évaluation à valoriser le facteur d'impact, etc. Et récemment, la question est parue, mais est-ce que les promoteurs de l'open access n'ont pas eux aussi une part de responsabilité? C'est notamment cet article-là de Richard Poynder, qui est un peu c'est un journaliste freelance, mais qui s'intéresse aux questions d'open access depuis 20 ans, qui a un regard assez acéré sur la question, qui posait la question, mais est-ce que le mouvement de l'open access n'a pas un peu retardé la révolution de l'édition scientifique? Et son propos, c'est de dire, alors désolé, c'est en anglais, c'est un peu... Mais c'est de dire qu'on a d'une certaine manière trop mis l'accent sur l'accessibilité. Et de ce fait-là, en fait, ça a permis aux éditeurs de dire, c'est l'accès que vous voulez, c'est l'open access. Écoutez, nous, on vous le propose dans ce cas. On va mettre en place l'open access avec les APC, avec etc. Donc... le fait d'avoir mis l'accent sur l'accessibilité, ça a d'une certaine manière permis aux éditeurs, après une phase où ils étaient plutôt hostiles, de reprendre à leur compte l'open access, alors qu'à ses yeux, et ce qui était important, c'était la compréhension des structures de pouvoir et la dynamique du contrôle dans l'édition scientifique. Et que
le réel problème, ce sont les éditeurs qui sont à but lucratif, hein, et qui continuent à avoir cette situation de rente, et qu'en fait l'accessibilité effectivement est un point de vue, est un angle d'approche intéressant et important, mais en focalisant sur ce point-là, on a permis en fait aux éditeurs de le reprendre à leur compte. Donc il y a sans doute une certaine autocritique à faire et peut-être à revoir le discours. Mais la question qui se pose maintenant, c'est comment réussir, en se posant toutes ces questions, APC, modèle émergent avec rôle des bibliothèques, comment peut-on réussir une transition ? Pour moi, la réponse, et visiblement de ce que m'a dit Marie, vous en avez déjà parlé hier, c'est clairement un investissement dans des plateformes, dans des infrastructures de sciences ouvertes. Et c'est tout l'objectif et tout le sens de l'appel de Jussieu qui a été rendu public la semaine dernière, à la rédaction duquel Frédéric Hélin a participé. Ça fait déjà maintenant un an que c'est qu'on y travaille. L'objectif, c'est de financer massivement des infrastructures telles que Episcience. Alors là, c'est un journal qui est piloté à Nancy en plus, donc Épijournal de géométrie algébrique, qui est une très belle réalisation, premier article publié en septembre de cette année, de financer massivement quelque chose que j'ai découvert hier, même si je n'étais pas présent, mais j'en ai entendu parler, l'initiative comme le Centre Mersenne. Je trouve ça vraiment super, et il faut qu'il n'y ait pas que Grenoble ou que l'INSMI, mais il faut qu'il y ait de l'argent qui arrive, quoi, et pour financer, pour permettre le développement, si on veut réellement enclencher une vraie transition. Les presses universitaires sont aussi, je pense, un élément clé. Les éditions de l'ENS, par exemple, hein, qui ont entamé une mue vers l'open access. Ici, vous avez un ouvrage à paraître de Étienne Gis, ça se prononce comme ça ? Gis, pardon. Vous voyez qu'il n'est pas encore paru, mais en tout cas, là, si vous voulez acheter le livre pour votre bibliothèque en papier, ce sera 27 euros pour la version imprimée, et la version PDF sera en open access et sans DRM. Voilà, donc on a là aussi des maisons d'édition qui d'édition publique et dans nos établissements, qui enclenchent cette transition, et je pense qu'Odile vous en parlera peut-être. Il faut que je conclue. Alors la question, ça va être, oui, mais cet argent-là, est-ce qu'il faut qu'on attende le Père Noël pour pouvoir développer les presses universitaires, et puis les épijournaux, le Centre Mersenne, etc. Je pense qu'une des grandes sources de financement potentielles, c'est aujourd'hui le budget que les bibliothèques consacrent aux big deals et aux grands éditeurs scientifiques. Il y a eu récemment un article paru sur un blog qui y a à boire et à manger, hein, mais c'est Scholarly Kitchen, donc qui parle de tout ce qui est édition scientifique, et qui reprenait un peu les arrêts d'abonnement aux big deals en Amérique du Nord. Il y a quand même pas mal d'universités qui ont désabonné. Alors, c'est sûr que quand on désabonne, c'est souvent parce qu'on n'a plus les sous. Donc dire, oui, mais c'est réorienter l'argent. Et je pense qu'une des idées pourrait être de dire que lorsqu'on a un désabonnement massif, qu'on fait une économie, une partie vient effectivement renflouer les caisses de l'établissement ou absorber la baisse de budget, mais il serait, à mon avis, du plus grand intérêt qu'une partie de l'économie réalisée soit aussi réinjectée dans les infrastructures. Après, voilà, quelles infrastructures, la question reste ouverte. Selon quelle modalité la question reste ouverte, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, toutes les bibliothèques ne sont pas arrivées à cette conclusion-là, mais on est quand même un certain nombre à se dire que c'est sans doute vers là qu'il faut aller. Certes, on ne peut pas couper du jour au lendemain tout, même si à terme, peut-être qu'on aurait un quatrième modèle, après le Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, ce serait la France, ben on arrête de payer et on fait du fair open access et pas de l'open access chez l'éditeur. Voilà, j'arrête là parce que j'ai un peu débordé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai entendu plein de choses que j'ai adorées. Est-ce que vous avez des questions ? Jean-François, dans ta liste des critiques, très bien pour ce que font les Allemands avec les APC qui sont en fait en gros négociés en même temps que les subscriptions. Je crois que pour moi, l'argument principal contre ça, c'est le fait que ça maintient les chercheurs inconscients du système.
Et je pense que c'est la plus grosse faiblesse. C'est ce qui explique pour moi le fait qu'on n'arrive pas à changer le système, que les gens qui, en principe, devraient être les plus concernés, n'ont pas le temps de s'en occuper et surtout sont maintenus exprès par le... Bon, c'est la force des publishers de contrôler ça, de faire en sorte que, à chaque fois qu'on a une petite chance d'être tenu au courant, du genre, par exemple, c'était génial quand les Allemands avec Deal ont arrêté de... n'ont pas signé le contrat, que Elsevier a coupé les accès, que quelque part, les chercheurs ont fait comme si de rien n'était par le fait qu'ils ont d'autres façons d'accéder. Et peut-être, je vais peut-être dire une chose provocante, je l'improvise, mais c'est aussi que les chercheurs, on n'a même plus le temps de lire les articles. Il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus là-dessus. C'est-à-dire, la façon dont on se communique entre nous, c'est qu'on va au séminaire, et au séminaire, on se passe les préprints. C'est-à-dire que vraiment, la lecture des articles, je parle pour moi, hein, je ne veux pas généraliser trop, mais en tout cas, dans le cadre de Deal, c'était assez génial, parce que les chercheurs n'ont pas où se péter. Donc, Elsevier était bien embêté, et après, ils ont présenté ça comme un soutien, j'exagère un petit peu, mais genre un soutien à la recherche allemande, où vous remet les accès, gratuitement, vu qu'il n'y a pas de contrat. Voilà. Mais c'est justement pour étouffer tout début de scandale, et étouffer instantanément. Donc, leur gros problème, c'est de maintenir ce contrôle des chercheurs, et ils y arrivent. Et nous, de l'intérieur, les quelques chercheurs où on est, on essaye vraiment de motiver nos collègues. Si on organise une réunion comme ici, ce qui est, pour moi, la salle est remplie de bibliothécaires qui connaissent super bien le problème. Ils n'ont pas du tout besoin qu'on leur dise une fois de plus comment ça fonctionne. Et il n'y a pratiquement pas de chercheurs. Et ce qui m'impressionne aujourd'hui, et hier et les jours précédents ici, c'est qu'effectivement, c'est une première fois où je vois presque 50-50 chercheurs et bibliothécaires. C'est assez extraordinaire, mais c'est unique. Dans les autres disciplines, on ne voit jamais ça. Et il y aurait un mouvement à faire, mais je ne sais pas du tout comment, d'information des chercheurs, mais même nos autorités, si elles le font, bon, on les lit pas, parce qu'on dit bon, ça vient d'en haut. C'est du bottom-up aussi, mais je ne sais pas comment. Alors, sur ta remarque, moi, j'ai déjà entendu des collègues qui disaient, voilà, ça fait 20 ans qu'on parle d'open access aux chercheurs, ils en ont marre. Maintenant, effectivement, il faut qu'on fasse l'open access sans eux. Et donc, d'une certaine... Alors, je comprends, moi, je rejoins ton analyse, qu'il ne faut surtout pas que ça se fasse à l'insu du chercheur et que le système doit être profondément réformé. Mais il y a quand même un certain nombre de collègues qui estiment que non, il faut maintenant faire... On garde les mêmes, sauf qu'on a de l'open access. Sur la question allemande, moi, c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, pour moi, le projet OA 2020, il a vraiment beaucoup de biais. Enfin, moi, j'y suis difficilement favorable. Maintenant, ça, c'est quand même ce qui a amené la fermeté pour ce projet OA 2020 qui a amené au désabonnement Deal et qui leur fait du coup des économies. Et récemment, ils se posaient la question, maintenant tout l'argent qu'on économise, où est-ce qu'on le réinjecte? Donc d'une certaine manière, je me dis, je ne suis pas d'accord avec la raison et les prémices de leur logique, mais la conclusion finalement, il y a plein d'argent qui arrive, qui pourrait être réinvesti. Donc c'est assez paradoxal, mais visiblement, ils ont aujourd'hui cette réflexion en cours de dire, mais un peu sur la logique de l'appel de Jussieu, c'est qu'est-ce qu'on peut soutenir Mais là-dessus, sur OA 2020 et Deal, je rejoins complètement cette analyse. Mon impression, c'est qu'en fait, ce qui peut se passer de mieux, c'est qu'il n'y ait pas d'accord. Si je suis pour les mêmes raisons assez opposé à l'objectif de cette négociation, mais tant qu'elle aboutit pas, c'est génial parce qu'on montre que le rapport de force il peut se construire, il peut mener à quelque chose et il permet de regarder vraiment dans les yeux à quel point on a besoin du produit et de réaliser que c'est pas si fort que ça ce besoin là en fait, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Et de réaliser tout ça et en plus de faire des économies et de mettre le vrai besoin en face du vrai coût et de voir les deux simultanément, c'est quand même un truc assez énorme que ça réalise. Donc je suis vraiment admiratif des collègues allemands et même si j'espère qu'ils vont pas aboutir et signer un contrat qui dans 10 ans aura déjà doublé de prix et aura rejoint les tarifs qu'on a actuellement. Pour rejoindre un peu ce que disait Marie Farge, je me demandais si vous pensez que ce serait possible pour les bibliothécaires sur un Math ou autre de mettre sur chaque site de Bibliothèque de France, de Math du moins, les abonnements.
Et à un moment donné, on commence à se voir que, ah, tiens, tel de Diabo n'est plus abonné à Mentiones, l'autre non plus, bah, finalement, on survit sans Mentiones. Quand on voit qu'à Paris, on fait des choix, ou à Lyon, on a décidé on peut rester sans. Et on survit très bien, on commence à échanger des mails, parce que sinon, on est un peu chacun dans le coin à se dire, ah, tiens, on a fait quoi dans ton labo, ça, est-ce que ça marche, je sais pas trop, est-ce qu'on est le seul, est-ce qu'on est 30 en France? Alors je me demande si ça serait possible pour le bibliothécaire ou pour les institutions de rendre public les choix. Oui, ça y est, mais pas public au sens que n'importe qui ne s'intéresse pas à la question peut avoir accès aux informations. J'ai l'impression qu'on est en train d'anticiper sur le débat, ce qui est intéressant, mais du coup peut-être qu'on va passer à l'exposé suivant. Merci encore. Merci. Exposé sur cette séance sur les prix et les coûts, on va écouter Odile Conta qui va parler de la publication et des coûts de la publication en SHS. Bonjour à tous. Je voulais aussi remercier les organisateurs de m'avoir invité ici pour partager avec vous et avec ce réseau si actif des bibliothèques de maths, et puis aussi pour découvrir ce lieu merveilleux. Donc on est très contents. Donc moi je vais vous emmener dans un autre univers un peu différent qui est l'univers de la publication SHS et essayer de vous parler de l'étude qu'on a faite sur les coûts de publication pour les revues françaises. Et comme nous ne sommes pas en SHS, je vais vous faire quand même une petite intro sur ce monde étrange et merveilleux des revues en sciences humaines et sociales qui est un petit peu différent de celui que vous connaissez je pense. D'abord, qu'est-ce que c'est la publication SHS? C'était pour vous donner une idée. Vous avez ici la structure de la publication des chercheurs du CNRS. Alors, ça date de 2011-2012, mais c'est toujours le cas actuellement, avec une égale publication entre les articles dans des revues scientifiques et les chapitres d'ouvrages. Ce qui, pour vous, est sans doute un étonnement, mais nous sommes dans des disciplines où les chapitres d'ouvrages sont aussi importants que les articles.
Donc voilà, c'est cette structure-là avec aussi des ouvrages, des rapports et une publication qui utilise des formats extrêmement variés. Les chercheurs français en SHS en 2014, ils ont publié environ 9300 articles. Alors ça fait 8% des publications scientifiques françaises et 2,5% des publications mondiales de la recherche. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que 92% de ces articles sont en français. Et les éditeurs français en SHS ont accueilli dans leurs revues plus de 80% de ces articles. Donc les revues françaises en SHS publient 80% des publications des chercheurs français. Donc c'est vraiment une structure très, très, très particulière où donc, la publication chez des éditeurs étrangers, francophones ou internationaux, n'atteint que 18% des articles environ. Voilà. C'est pour vous donner une idée générale. Alors, ces éditeurs, donc il y a des éditeurs, bien sûr, publics étrangers, vous les connaissez un peu. Chez nous, c'est beaucoup des éditeurs universitaires, hein, Oxford, Cambridge, etc. Des éditeurs publics français qui sont très importants, que ce soit des éditeurs institutionnels comme le HESS ou le ENS qu'on a vu tout à l'heure avec Jean-François, et puis la Force des presses universitaires. Et puis, il y a en France un point important. Alors, il y a les éditeurs privés étrangers, mais Elsevier, Wiley, Sage et Springer, c'est 2% des revues françaises en SHS, c'est-à-dire quasiment rien, hein, qui sont publiées par ces éditeurs-là. Et les éditeurs privés français sont très importants. Je vous en ai mis quelques-uns avec le nombre de revues publiées à chaque fois. Après, l'Harmattan, est-ce un éditeur ou pas? C'est une bonne question. On y reviendra. Ce que font les éditeurs réellement comme travail. Et puis, il y a des structures que vous connaissez sans doute moins, mais qui ne sont pas inintéressantes, alors que j'ai mis dans « autres », parce qu'en fait, ce sont des structures, on va dire, de droit privé et de fonds publics. Quand on a essayé de travailler dans BSN7 sur le monde de l'édition, on a découvert qu'en fait, voilà, on devait, en dehors des éditeurs privés et des éditeurs publics, qualifier une autre sorte d'éditeur, qui étaient les éditeurs de droit privé et de fonds publics. Les éditions de la FMSH, CNRS Éditions, qui est une structure privée, mais financée entièrement sur fonds publics, etc., etc. Ce qui est une particularité. Et puis, c'est ce qu'on va voir aussi, c'est ces associations, sociétés savantes et labos de recherche, qui sont le cœur, en fait, hein, de l'édition en sciences humaines et sociales. Alors, les revues scientifiques, combien de divisions? Environ 2000, on dit, revues SHS éditées en France, ce qui est absolument énorme. 1200 apparitions régulières, environ. Si on compte les deux gros portails les plus importants en France, qui sont revues.org et Cairn, elles en ont environ 400 chacun, donc ça fait 800 revues. Il y a beaucoup d'éditeurs aussi. Pour les 2000 revues en SHS, environ 500 éditeurs répertoriés. On reviendra sur ce que sont les éditeurs. Si vous vous souvenez des bases de données Francis et Pascal, Francis, c'était l'ensemble des sciences humaines et sociales, il y avait environ 2800 revues pour 1500 éditeurs. Et dans la base de données Pascal, 5 éditeurs représentaient 60% des titres. C'est ça la grande différence la grande opposition entre les deux. Donc voilà, ça donne ça les revues françaises en SHS. Au secours, je tombe dans l'immense trou des 1200 titres de revues. Et puis c'est aussi de l'argent, puisqu'on a dit qu'on parlait d'argent aujourd'hui. Donc un chiffre d'affaires de périodique recherche en SHS entre 12 et 14 millions d'euros. Ça fait 46% du marché de la recherche en SHS, bien entendu. Et avec des abonnements qui sont entre 1500 et 1200 abonnés, mais pour une médiane de 300. C'est vraiment une revue française, hein, entre environ 200 à 300 abonnements aujourd'hui. Je parle du papier, bien entendu. Et je vous ai mis quelques chiffres sur les ventes, hein, sur la structure de ces ventes qui sont, alors qui datent un petit peu, parce que c'est des chiffres qui datent de 2008-2010, mais je ne pense pas que ça ait changé énormément, avec le poids très important des ventes institutionnelles en France, donc des BU, des EPST, etc., nous. Des ventes aux particuliers en France très faibles, et puis des ventes à l'étranger importantes, mais avec une forte aussi proportion d'institutions abonnées. Dernier chiffre intéressant, dans les 75% des revues qui ont été aidées par le Centre national du livre en 2005 ont une diffusion inférieure à 1000 exemplaires et en fait 40% inférieure à 500. Donc ça correspond à ce que je vous disais sur le nombre d'abonnés.
Et donc, qui porte les revues françaises en SHS? On dit qu'il y a environ 1,34 revues de recherche par laboratoire. J'adore le 1,34. En fait, dans chaque labo français en SHS, il y a au moins une, voire deux, voire quelquefois trois revues qui sont portées par le laboratoire, ou par un chercheur du laboratoire, ou par un secrétaire d'édition dans le laboratoire. J'y reviendrai largement. On voit bien là que dans le type de structure éditrice, donc il y a laboratoire, les presses universitaires, sociétés savantes, associations, qui représentent aussi une part très très importante, et puis les éditeurs commerciaux qui représentent environ 30% de ce qu'est édition de revues en SHS, et qui représentent par contre beaucoup plus au niveau de l'argent que ça rapporte, c'est-à-dire que ils éditent, ça représente 51% des buts de ce qui est récupéré comme argent, mais que 30% des revues éditées. Et puis je voulais commencer aussi à parler de ce qu'est financement public, avec des chiffres qui sont assez impressionnants, avec 8,5 millions d'aides à l'édition de recherche en subvention, dont quelque chose de très important, 1,5 million directement payés par les labos pour éditer des ouvrages. En SHS, il y a une grande hypocrisie. Tous les chercheurs en SHS vous diront, nous, les APC, jamais, il est hors de question de payer pour publier un article. Et pourtant, depuis 20 ans, ils payent pour éditer des ouvrages. Et les Books Processing Charges sont, à mon avis, une question. Chez nous, alors je ne sais pas si vous avez cette question-là, mais c'est une question qu'il faudrait qu'on arrive à traiter. Et je voudrais savoir combien exactement on dépense dans les laboratoires pour éditer des ouvrages en papier, principalement. Ça, c'est une question que j'essaye de poser à l'Institut SHS au CNRS. On n'a pas de moyens, en fait, vraiment, de savoir combien on dépense là-dessus. Mais je pense que ça serait vraiment quelque chose d'intéressant et que ce serait un axe de travail intéressant. Et autre, alors il y a toute une description des aides qui sont données, que ce soit par le Centre national du livre, etc., etc., et les subventions qui sont données. Et puis il y a quelque chose que je vais vraiment détailler dans la deuxième partie, qui sont ce qu'on appelle les aides indirectes, qui sont donc évaluées entre 15 et 18 millions dans le secteur public pour la mise à disposition de locaux ou de personnes. Et c'est ça en fait les coûts cachés dont je vais vous parler tout de suite après. Juste pour finir mon contexte général de la typologie des revues et des éditions en SHS, les disciplines les plus importantes pour les revues, il y a une très forte part de la sociologie qui est aux environs de 23%, l'histoire, la géo, etc. aussi ont énormément de revues, et il y a de plus en plus chez nous de revues pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui se déclarent avec plus de trois disciplines. Ça, c'est vraiment devenu quelque chose de très important et qui a beaucoup changé. La typologie des revues, elles sont assez anciennes. C'est des revues en majorité à 50% qui ont été créées avant 1950. On a beaucoup de vieilles revues, ce qu'on appelle de vieilles revues. Des revues trimestrielles ou semestrielles, mais aussi avec une proportion importante de revues annuelles qui ont un mode de fonctionnement particulier et qui donnent aussi un paysage un peu contrasté. Et je vous l'ai mis exprès, mais 15% ont un retard de publication. C'est toujours quelque chose de très difficile chez nous d'arriver à publier à l'heure. Elles ont changé, ces revues, elles se sont transformées. Je suis repartie de l'enquête du GF2I qui date de 2008-2009, où il disait qu'il y avait 55% des revues qui étaient encore uniquement papier. Et si on remonte, on était à 75% en 2005, ce qui est assez énorme pour les revues françaises en SHS. Aujourd'hui, on est, selon les chiffres donnés, entre 10 et 15% qui restent uniquement papier. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai basculement, même si on est un peu en retard, mais il y a eu quand même un vrai basculement, avec la part de l'électronique qui augmente et la part des revues purement numériques qui augmente également. Voilà, ça c'est pour le contexte général. Et puis, je voulais donc surtout vous parler d'une enquête qui a été faite par BSN7, donc je mets ma casquette BSN7, la Bibliothèque scientifique numérique secteur édition, qui a été faite sur le coût de l'édition donc d'une revue en SHS. C'est une enquête qui a été menée en fait avec le but d'avoir vraiment une idée de combien coûtait la publication d'une revue, notamment la part des institutions publiques.
parce qu'on savait à peu près les investissements des éditeurs, etc. Mais quel est le financement dans le processus éditorial et de production du public et des institutions publiques. Vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir, que cette publication, elle a un coût non seulement dans le financement du processus éditorial et dans les abonnements, et que dans la question de l'accès ouvert aux publications scientifiques, connaître cette part d'investissement public est absolument fondamental, et on ne l'avait pas forcément suffisamment mis en lumière. Et donc on a mené une enquête entre mars 2014 et janvier 2015 sur le coût éditorial des revues scientifiques. L'idée, c'était d'avoir l'ensemble des coûts de production, de la gestion du secrétariat du flux des articles, le travail sur le texte, la mise en page, etc., etc., pour voir quel est donc le financement supporté par le secteur public et le financement supporté par le secteur privé. Je voulais revenir un tout petit peu sur le périmètre de l'enquête. On est bien dans le périmètre des coûts d'éditorialisation et de production des travaux une fois l'article accepté. On ne s'est pas lancé dans l'idée d'avoir une idée de combien pouvait coûter le peer reviewing, le travail du chercheur sur l'article et le travail de peer reviewing. Ça serait quelque chose d'intéressant. On arriverait à des chiffres encore plus importants, mais ça serait aussi un travail intéressant à faire. Mais il est assez difficile à évaluer. Donc on est vraiment parti du moment où l'article est accepté pour publication. Et puis on a fait ça en trois étapes en fait. On a fait une demi-douzaine d'entretiens avec des responsables de revue, des secrétaires d'édition, etc. pour arriver à séquencer les étapes de la chaîne de production et pour être tous d'accord sur de quoi on parle, à quel moment, quelles sont les tâches exactes qui sont effectuées par chacun. Et puis on a fait des entretiens quali assez longs parce que c'était intéressant aussi de parler avec les responsables de revue et on a appris pas mal de choses à ce niveau-là. Et ensuite un questionnaire quanti qui a été envoyé à 300 rédactions de revues scientifiques. Donc c'est une enquête qui a été faite entre juillet 2014 et janvier 2015. Je veux revenir ici sur quelque chose de très important. Les coûts d'éditorialisation et de production d'une revue scientifique en SHS, il y a une part énorme. Alors, il y a une première part qu'on connaît tous, c'est la gestion du flux des articles, le rapport au comité, le rapport aux auteurs, le rapport aux experts. Et puis, il y a une part pour nous de travail sur le texte. Et ce travail sur le texte en SHS, il est extrêmement important. Relecture, correction orthotypo, mise aux normes, de la biblio, du texte, des matériaux, c'est-à-dire des images, des tableaux, etc., etc., qui sont une part très importante. Des travaux sur le sommaire, des ajouts de métadonnées, tout ce qu'on appelle la préparation de copie. C'est vraiment quelque chose de très important, y compris il y a un travail de vérification, de cohérence de texte, de cohérence de la bibliographie, de vérification de la véracité de la bibliographie, qui est parfois faite en partie par les rapporteurs, mais qui est généralement retravaillée par le secrétariat de rédaction. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et qui, je pense, est spécifique au SHS. Et puis après, on a des tâches plus classiques de structuration pour une diffusion papier ou électronique, le stylage de l'article, des choses de ce type-là, la mise en page, la PAO, la mise en ligne, et puis la partie impression, diffusion, distribution. L'enquête nous a vraiment aidé à différencier chacune de ces tâches pour pouvoir être très précis dans notre analyse. L'échantillon, rapidement, il n'est pas énorme, en fait, hein, puisque sur 300 revues, on a eu 50 questionnaires remplis complètement et donc utilisables. Donc on nous a reproché le fait que ça soit un échantillon trop resserré. C'est un échantillon assez resserré, mais qui, vous le voyez, représente à peu près l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales. Vous le verrez plus tard, qui comprend des revues uniquement papier, des revues papier et numérique, des revues uniquement numérique, des revues diffusées en libre accès ou sous abonnement, donc qui est un échantillon, me semble-t-il, représentatif. Au tout départ, on aurait bien voulu faire un travail aussi sur les STM, mais il y a eu très 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 peu de réponses. Et en fait, on avait 9 réponses, hein, donc beaucoup trop peu pour pouvoir en tirer des conclusions. La première des choses qu'on a découvert, on le savait un peu, je vous l'avoue, mais le but était de le prouver, c'était que cette partie éditorialisation des revues est réalisée en très grande partie et en majorité par la puissance publique.
que le coût éditorial principal, c'est bien celui du salaire du secrétaire de rédaction, et que l'éditeur privé, lorsqu'il intervient, il est principalement imprimeur et diffuseur. Bien sûr, tous les contenus des articles de revue sont produits et expertisés par des chercheurs payés par la puissance publique. C'est la partie qu'on n'a pas évaluée, mais qu'il faudrait rajouter en plus de notre analyse. Et puis, le travail de secrétaire de rédaction, donc celui que je vous disais, le travail sur le texte, etc., etc. Donc, 92% des revues, il est assuré en interne par des professionnels de l'édition payés par la puissance publique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et ça fait un coût très, très important. Alors, ou des secrétaires d'édition ingénieurs, ou le travail directement des chercheurs. Dans 20% des cas, l'ensemble du travail de secrétaire de rédaction est fait par le chercheur en SHS, sans l'aide d'un ingénieur ou d'un secrétaire de rédaction. Ça, c'est aussi une découverte. C'est-à-dire qu'il y a quand même 20% des revues en SHS qui travaillent, enfin, qui vivent et qui sont publiées et qui sont éditées et qui s'en sortent uniquement sur le travail des chercheurs. J'aime pas dire bénévolat, parce que voilà, parce que le chercheur il est payé, etc., etc. Mais disons, on va dire du travail en plus, du travail pas toujours très bien pris en compte, en tout cas dans la carrière du chercheur par la suite. Et donc ça, c'est important. Il y a une chose aussi qu'on a découvert, que j'ai pas mis là, mais qui a été peut-être notre premier étonnement, notamment quand on a rencontré les chercheurs dans les entretiens qualitatifs, les responsables de revues, etc. Je le dis parce que ça résonne par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, me semble-t-il, c'est la méconnaissance des chercheurs du coût de la publication. C'est-à-dire qu'on invitait des responsables de revues, de grandes revues, hein, puis on leur disait « bon, combien ça coûte ?» C'est quoi le coût d'impression? C'est quoi le coût de passage en ligne? Qui fait le passage en XML pour être diffusé, etc. Et en fait, ils ne le savaient pas, ou très peu. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire de sensibilisation, vous disiez, sur le coût des abonnements, mais aussi sur ce coût-là. Parce qu'en fait, ils sont responsables de revues, ils sont en YouTube, mais ils ont assez peu d'idées de ce que ça coûte à la fin. Et ça, c'était aussi un des buts, un des objectifs de cette enquête, c'était de sensibiliser à ce coût caché, de notre point de vue, est très important. Et donc l'éditeur privé, quand il est là, il prend en charge, en règle générale, l'impression, la diffusion et la distribution. Et il s'assure d'un revenu commercial qui n'est pas toujours reversé à l'institution publique. C'est un peu le concept qu'on va appeler, après la présentation de Jean-François, du pull du mouton. On est à peu près, je pourrais reprendre en fait cette illustration-là et la mettre ici. Donc les revues, elles sont, les articles sont écrits par les chercheurs, évalués par les chercheurs, éditorialisés sur des fonds publics par des secrétaires d'édition ou des chercheurs, et commercialisés par des éditeurs privés qui récupèrent les abonnements et parfois redonnent un petit quelque chose à la revue pour fonctionner. Voilà, on est dans ce cas-là. Et donc je vous disais 92% du travail est donc fait en interne. Dans 6 cas sur 10, ça va jusqu'au bon attiré, c'est-à-dire jusqu'à la PAO. Autrement dit, tout ce qui est travail sur le texte, à 92% c'est fait sur des fonds publics. Et dans 60% des cas, ça va jusqu'à le bon attiré, c'est-à-dire qu'on donne à l'éditeur le produit terminé, avec la mise en page, etc. etc. Hein. Voilà, ça c'est la situation d'aujourd'hui. Et du coup, on a essayé de le transformer en chiffres, c'est-à-dire que, puisque la partie la plus importante du coût éditorial, c'est celui du salaire du travail de secrétaire de rédaction, le temps moyen nécessaire, on l'a calculé sur l'ensemble des 50 revues, à 10,5 mois par revue et par an. Si on prend un salaire moyen d'un ingénieur chargé, ça fait 4 000 euros mensuels, et bien du coup 10,5 mois, ça fait en moyenne 42 000 euros de coût public pour fabriquer une revue annuelle. Et donc on a fait après un travail sur le coût à l'article, entre 500 et 4 000 euros selon le nombre d'articles publiés d'avant par an, ce qui fait un coût médian de 1 300 euros annuels l'article. Tout ça financé sur fonds publics. Et en comparaison, le coût nécessaire à l'impression, la diffusion, la distribution,
il est loin d'être prédominant, puisque quand on a un coût moyen d'impression et de diffusion papier, alors on l'avait que pour 25 des revues, puisque c'est pareil, elles n'avaient pas toujours les informations nécessaires pour nous donner la totalité des postes de coûts d'impression et de diffusion. Donc ça fait 11 200 euros par an et par revue. Dernière chose que je voulais vous dire, enfin c'est pas la dernière chose, mais ça nous a appris aussi des choses sur les choix qui ont été faits par les revues en SHS, et là peut-être aussi que c'est une différence avec votre monde. En fait, il n'y a aucune revue SHS en APC, en auteur-payeur. Il n'y a aucun éditeur qui le propose en SHS en France, et donc il n'y en a pas pour l'instant. Je dis pour l'instant, parce que ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de ce genre de choses. 50% des revues sont diffusées sous abonnement avec barrière mobile. C'est le modèle général de diffusion des revues SHS en France, avec des barrières de 1 à 5 ans. En moyenne, on doit être entre 2 et 3 ans aujourd'hui, plutôt 3 ans. On essaye de descendre à 2, mais plutôt 3 ans. Il y en avait 42% qui ont choisi une diffusion numérique directement en accès ouvert, et 8 qui étaient encore sans accès numérique du tout, en diffusion uniquement papier. Et pour vous donner une idée de l'évolution des revues, dans celles qui sont diffusées en accès ouvert, il y en a assez peu, donc il y en avait 20, il n'y en a que 8 qui ont en parallèle encore une version papier. Donc la diffusion ouverte se fait quand même principalement sous format numérique, en abandonnant assez rapidement la version papier. Et sur les 25 revues diffusées avec barrière mobile, 21 ont encore une version papier. Donc il y a vraiment deux mondes qui se côtoient et qui évoluent, mais avec deux modèles, on va dire, de diffusion différents. Et puis deux, trois petites choses qu'on a appris quand même, notamment en discutant avec les revues. Non seulement il y a une méconnaissance des coûts, mais même si le coût de l'impression et de la diffusion est importante, il y a une vraie volonté pour une part des responsables de revues de maintenir leur papier. Et en plus de la version numérique, il reste, et c'est un état de fait, on va dire un plus symbolique sur la version papier. C'est en train de changer, mais c'est encore quand même assez fort. C'est-à-dire que pour les chercheurs, avoir une version papier, pouvoir avoir sa petite revue dans sa main, eh ben, ça a encore une valeur symbolique extrêmement forte. Après, il y a vraiment des réticences par rapport au passage à l'accès ouvert, pour les raisons dont je vous parle là, et la force symbolique dont je vous ai parlé. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un lien entre les éditeurs et les revues qui font que, pour un certain nombre d'entre eux, passer en accès ouvert, c'est tuer les éditeurs. Et les éditeurs ont ce discours-là, leur mort programmée pour le passage à l'accès ouvert. Or, on voit bien dans les coûts que je vous ai montrés que les coûts principaux sont déjà portés par le public, et que donc, si on devait faire le bilan d'un passage à l'open access, en fait, les coûts sont déjà en public. Donc, il reste un tout petit chose à financer, ou directement public, ou en trouvant d'autres modèles comme ceux que tu as montrés tout à l'heure, pour passer au libre accès. Mais au fond, le coût de base, il est déjà là. Et je vous ai mis ici, pour finir, ce qu'on a eu comme information sur les revenus. C'est pareil, c'est un monde en évolution. Les revenus papier sont encore assez forts. Et c'est pour ça que le libre accès est difficile aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des revues. Pour 32 revues, le revenu papier moyen est à 21 000 euros. C'est important. C'est encore très important. Donc c'est non négligeable sur un chiffre d'affaires de 25 000, c'est-à-dire que c'est très très largement ce qui rapporte et ce qui fait vivre en partie en tout cas la revue. Et donc pour 53% des revues ont plus de 10 000 euros de revenus papier annuels. Et si on compare avec les revenus numériques, même si c'est en train de changer, ils ne sont pas encore au même niveau, puisque le revenu numérique moyen, il est à 8 500 euros. Donc ça veut dire très clairement, alors bien sûr là on finance l'impression quand même, donc il faut relativiser, c'est-à-dire que le coût d'impression est forcément, voilà. Mais vous voyez, c'est quand même encore une différence importante, et pour un certain nombre de revues,
Il est très difficile d'abandonner le papier parce qu'elles ont l'impression qu'elles abandonnent une grande partie de leur chiffre d'affaires. Et donc, il n'y a que 30% des revues en SHS qui génèrent plus de 10 000 euros de revenus numériques. Donc, c'est en train de changer, mais le basculement ne s'est pas fait encore. Et je pense que c'est important aussi de voir le coût et le revenu et de pouvoir faire un bilan des deux. Mais est-ce que dans les revues, les quelques revues qui sont, alors ça ne sera pas significatif à cause du nom, mais qui sont en open access, mais avec une version papier, est-ce que leurs revenus papier sont spécifiquement faibles ou est-ce qu'ils sont finalement assez conséquents malgré tout ? Ils sont spécifiquement faibles, en majorité. Et l'idée, c'est... en fait, le basculement, généralement, se fait au moment où ce sont les revenus numériques qui payent le papier. Et d'un coup, là, il y a une prise de conscience en se disant, bon, là, peut-être que quand même, est-ce bien utile de continuer ? Parce qu'il y a quand même, je vous ai parlé des abonnements moyens à 200 abonnements, 200 ou 300 abonnements, mais il y a quand même beaucoup de revues qui tournent à 80 ou 90 abonnements, hein, ce qui ne permet pas toujours de financer la totalité des coûts d'impression. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce coût des publications et de ce qu'on a appris de cette enquête, qui, je pense, éclaire en partie, en tout cas, les choix et de passage au libre accès et les modèles qu'on peut ou pas développer pour passer en libre accès. Et il me semble aussi être un instrument intéressant à montrer aux chercheurs pour qu'ils prennent conscience de ce coût caché des institutions publiques dans la publication. Voilà, je vous remercie. Oui. That was impressive. I mean, how did you get all those figures on the table? Because what it shows, and I'm an HSS person in Holland, and what it shows is that there is a lot of money in the HSS system which is not taken over by publishers. If you look at the figures, I mean, 35,000 euros per year, if I understood correctly, is put into these journals from inside the system, and only 11,000 euros per journal is done by the editor, the publisher. So I think this is the reason that the open access debate on linguistics in open access has started in HSS, because they realize that the problem for them to change to an APC is even worse than for the STM people. So what I think you can prove is that you can switch to a complete open access system without more costs and probably less costs. And if you can do it in HSS, then the STEM people will follow. Because I mean, we haven't talked about medicine here. If you are great people, you understand the problem. The medicine people, they just tell us, I don't care to pay 5,000 euros, I've got money enough, I don't care. If the publisher wants 5,000 euros, I'll pay it. But if these, and we need these people to change the system, because they are really, life sciences and medicine are really important. If they see that in HSS, it's manageable for an APC of around 800, 1,000 euros, they would be stupid not to want to follow. And then they can pressure the publishers. Because you are not dependent on publishers. It's great. Merci. Je réponds en français, du coup, même si je comprends en anglais, mais je suis plus à l'aise en français. Je pense qu'en effet, pour une fois, les sciences humaines et sociales ont un vrai rôle de moteur, parce qu'on est dans une situation particulière et qu'on peut du coup en effet montrer que le passage à l'open access n'est pas si cher que ça, n'est pas si difficile que ça, et que du coup on peut peut-être montrer la voie, contrairement aux sciences dures, entre guillemets, j'aime pas employer ce terme, qui sont dans d'autres situations éditoriales en effet. Et notre spécificité de structuration éditoriale peut peut-être nous aider à faire ça, je l'espère. Juste une petite question et une remarque. La question, c'est au sujet de la distribution des revenus papier. Oui. Je constate que le revenu moyen se situe entièrement dans la dernière catégorie. Est-ce que ça signifie que les 8 revues en question ont des revenus qui sont nuls ?
nettement supérieur à 20 000 euros. D'accord. Tout à fait. Et donc, du coup, il y a une distorsion, en effet, hein, sur des revues qui ont énormément d'abonnements et qui ce sont des revues assez anciennes qui restent sur des modèles d'abonnements très importants qui leur apportent énormément. Mais elles sont très peu nombreuses. Et du coup, elles font un peu... Elles distordent un peu ces chiffres-là, j'en suis consciente. J'ai une autre question qui est plutôt une remarque. Vous avez dit que c'est important pour beaucoup de chercheurs d'avoir une revue papier à tenir entre les mains. Je crois que c'est aussi important parfois d'avoir une revue papier pour ne pas la tenir dans les mains, c'est-à-dire plutôt la laisser dans un carton et l'archiver. Donc c'est pas vraiment le sujet peut-être aujourd'hui, mais il y a la question de l'archivage qui est aussi très importante. On en a parlé avec l'électronique. C'est une question tout à fait non triviale. Et donc c'est aussi une volonté, pas forcément de tenir dans les mains, mais d'assurer une durabilité dans le temps. J'entends. Là, je parlais de la force symbolique du papier qui est plus large que ça. Après, on peut aussi penser le papier en impression à la demande pour un archivage pérenne et sans avoir des tirages trop importants qui ont un coût plus élevé. On peut, le numérique n'empêche pas de penser à un archivage pérenne papier, je pense. Oui, vous avez dit au tout début qu'une partie du travail donc, de nos collègues en SHS était donc la publication d'articles et aussi la publication de chapitres. Alors je pense que votre exposé ne couvre pas la partie chapitre. Donc qu'en est-il? Quel est le modèle pour ce type de publication? J'aimerais beaucoup pouvoir faire ce travail-là, mais qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Il y a une partie du modèle qui, à mon avis, se recoupe avec celui des revues, puisque dans les mêmes laboratoires dont on parlait là, les secrétaires de rédaction qui travaillent sur les revues travaillent aussi sur des collections. Mais c'est beaucoup moins visible encore. C'est-à-dire que quand il y a un secrétaire d'édition ou de rédaction sur une revue, il est indiqué dans l'ours de la revue, on le sait, il est identifié, son travail, etc. etc. Quand on travaille sur des collections d'ouvrages, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi au niveau des éditions universitaires, dans les universités, etc. Il faudrait pouvoir faire ce travail-là. J'ai l'intuition qu'on arriverait à la même chose, mais je ne l'ai pas prouvé. J'ai l'impression que cela, le fait que ces gens-là donc, publient d'une part des articles et d'autre part des ouvrages, fait qu'ils ont peut-être plus d'affects, qu'ils sont peut-être plus liés d'une certaine manière aux éditeurs que nous. Oui, tout à fait. Donc peut-être que ça joue un rôle aussi dans leur réticence à passer à des modèles alternatifs. Même si dans la structuration des éditeurs de ce qu'on appelle des ouvrages collectifs, il y a aussi énormément de laboratoires, d'associations, etc. C'est-à-dire qu'on va retrouver la même structuration, une partie éditeur privé, une partie éditeur public, voire association et laboratoire. Suite à la discussion avec Sakia, quand même, je pense que Marin Dacos a démontré ça pour moi depuis quand même longtemps, parce que ce que je trouve assez remarquable dans le cas des sciences humaines et sociales, c'est que vous avez été pionnier. C'est-à-dire que c'est dès les années, fin des années 90, c'est en 1999 que Marin a créé revue.org. Et il l'a créé tout seul, sans les institutions au début, il ne faut pas l'oublier. Et si j'ai bien compris, il l'a créé, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, vous me corrigez si c'est faux, c'est parce qu'en fait, le CNRS venait de changer des règles d'évaluation de ce qu'on appelle les revues de rang A, c'est-à-dire les revues qui comptent pour les évaluations des chercheurs. Et en gros, le CNRS avait dit, bon, il faut que les revues soient en langue anglaise, parce que ça veut dire qu'on est international, si c'est en langue française, c'est pas bon, etc. Donc, grosse panique à bord au niveau à la fois des labos et des éditeurs, parce qu'effectivement, il y a une sorte d'écologie. C'est des petits éditeurs, ça n'a rien à voir avec, à mon avis, en tous les cas avec le domaine sciences exactes et médecine, où là, on est des éditeurs mondialisés. Donc, il y avait cette espèce de deux groupes, les chercheurs et leurs éditeurs, ils ont paniqué. Et Marin a eu cette idée quand même, personnellement je trouve géniale, de partir dans le numérique. Et à ma connaissance, il a démontré la chose suivante, que économiquement, ce n'est pas la catastrophe pour les éditeurs, étant donné que grâce au modèle freemium, il leur reverse un pourcentage. Mais surtout, il augmente leur lectorat dans des proportions absolument incroyables. Regardez, hier j'ai cité DataGueule. Sur DataGueule, il y a une interview de Marin Dacos qui est vraiment intéressante où il précise ça, je crois, si je me souviens bien, il parle de ça aussi. Pour moi, la France, avec ce côté très spécifique, vu qu'il fallait défendre, et c'est logique pour l'édition en sciences humaines et sociales, le français, si vous êtes, je sais pas, spécialiste de langue romane, vous n'allez pas écrire en. C'est assez logique de défendre cette spécificité. Et le passage au numérique a été pionnier dans ce domaine et démontre que c'est faisable, à mon avis.
Alors, je pense que c'est en effet faisable et que le modèle freemium, il est encore en cours d'expérimentation. Hein. Il a un double intérêt. Il donne un petit revenu aux revues pour des dépenses qui sont absolument indispensables. Par exemple, le déplacement du comité éditorial. Dans notre enquête, c'est une des choses qu'on a vues qui était vraiment au cœur de la vie de la revue. C'est bien de bosser par Skype, mais enfin, quand on peut se rencontrer, c'est aussi important pour la vie d'une revue. Une revue, c'est un collectif et avoir un peu d'argent pour le déplacement du comité, c'est fondamental. Et puis sur la diffusion, c'est aussi quelque chose d'important. Une plateforme comme momentrevue.org a fait prendre conscience aux gens de l'importance de la diffusion. Parce que pour beaucoup d'entre eux, comme ils n'avaient pas connaissance non plus des coûts, ils n'avaient pas connaissance non plus de... Une revue, ce n'est pas seulement une publication. C'est-à-dire que quand on a publié, on n'a pas fini le travail. Il y a aussi la diffusion. Et ce travail-là de dire, d'accord, ok, l'article, il est validé, il est publié, etc. Mais maintenant, il faut qu'il soit lu. Je pense que Revue.org et les plateformes de ce type-là ont fait un gros travail là-dessus et qu'il faut le continuer. Et les chiffres sont étonnants. Et les chiffres sont très importants. Et on touche des publics académiques et hors académiques. Donc ça aussi, c'est un point important de toucher. On le sait bien, hein, l'open access est aussi là pour sortir du milieu académique. But just to follow up on this national language thing, it's not only France, it's a problem in all European countries. And there are similar projects right now in Holland. We are looking into this as well, because there are a lot of Dutch journals, and we have less markets. But the problem is even bigger then, because you don't have any income. In Sweden, there's a big project starting, in Finland and in Switzerland, I know of. So I think we should also look at how we can work on this together, because you don't want to lose, for humanities and social sciences, the national language is still important, and it will stay important. I mean, we in Holland are being pushed, the academics, to publish in English. But for HSS, sometimes it really doesn't make sense. I mean, it's really different from the STEM. And I'm going to use your big project, and I'll bring you in contact with the Swedes, yeah, of course. And the Swiss. Yeah. Okay. Avec plaisir. Et je pense qu'en effet, la langue nationale est importante en SHS parce que la traduction n'est pas sans poser de problème et que du coup, la diffusion est d'autant plus importante, me semble-t-il. Et qu'en effet, une structuration au niveau européen serait peut-être intéressant aussi, en tout cas, le partage des expériences et à ce niveau-là serait intéressant. Et il est d'autant plus important que si dans le cadre de l'appel de Jussieu, le but est vraiment de pouvoir récupérer de l'argent pour investir sur des expériences, des façons de publier différentes, des façons de diffuser différentes, il faut aussi que ça se fasse au niveau européen et pas seulement, bien sûr, franco-français. Je pense qu'on va arrêter la séance de questions parce qu'on a le débat qui nous attend. Donc, merci encore. Alors, je pense que pour... comme on ne va pas enchaîner tout de suite, je vous propose de nous retrouver à 40.